Et salut, c'est le retour, la synchronisation aussi, du chargement long, puisque on est sur Xbox One, modèle Day One de la sortie, et ça prend du temps. Sans parler que, en plus, pour bien compliquer les choses niveau connexion, il y a une image de PUBG qui tourne sur la One. La PS4 qui a aussi des jeux qui tournent en fond. Donc, tout ce qu'il faut pour tout bousiller. Mais bon, bref, on s'en fout. Alors, le programme du jour, comme c'est marqué, j'en sais absolument rien. J'avais mis il y a quoi une petite semaine à peine des trucs en vente, donc je vais voir ce que ça donne. Il y a un peu d'argent à récupérer via le Forzaton. Après, on va faire quelques balades, quelques épreuves, et puis on va se laisser porter. Ça sera déjà pas mal. Les Forza, c'est devenu tellement obèse comme jeu, c'est horrible. Ça prend une place folle avec tout ce qu'ils ont rajouté en contenu. Bon, tant mieux qu'ils rajoutent, mais c'est n'importe quoi. Et puis, les Horizons, surtout, ils deviennent de plus en plus lents à charger, parce qu'il y a plus en plus de contenu. C'est... Waouh! Quand on a une vieille console, les gars, pensez à nous, merde. Ah, je vais encore avoir gagné un t-shirt nul, c'est ça? La Bone Shaker, c'est pas fini, hein? Elle revient encore? Putain, les gars. Alors, c'est vrai que maintenant il n'y a plus de nouveau contenu, c'est du. C'est les anciens qui tournent en boucle. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Une Apollo. Je l'ai pas déjà, elle. Alors, il y en a plein que j'ai. Autant sur le 3, je faisais toutes les épreuves pendant un bon paquet de temps. Récupérer toutes les tous les véhicules qu'il y avait et autres que celui-là c'est bon je les ai pas fait voiture légendaire Ginkama non 199 GTO je dois déjà l'avoir et puis je m'en fous la Lexus ouais au moins par contre il file de la bagnole hein. Bon. Et... Ravi de vous revoir, Chris. C'est ouf. Zut, c'était au-dessus. Je commence déjà à m'embrouiller. Moi j'ai déjà. Oh, super. Bon, mieux. Ouais, la mini, ouais. C'est bon. On repassera. On va récupérer l'argent. Ah oui, salle des ventes. Je disais ça au début déjà. N'a pas été vendu, n'a pas été vendu. Super! Ah si, il y en a deux quand même qui sont partis. T'as trois! Putain, tout ça pour faire un peu de place. Bon, allez, on va se taper les chargements de l'enfer. En plus, c'est vrai que j'ai plus de thunes. À force d'acheter des voitures à 10 millions, forcément. Ah et ça, c'est pas du tout pratique. On est obligé de passer par 10 000 menus. Et voilà. La traduction française dans les Forza, c'est n'importe quoi. Fais une réclamation. C'est récupérer ton fric, connard. Non mais. Entre ça et le multi qui est complètement foireux. Putain, ils avaient fait un truc tellement bien dans le 3 qu'ils ont tous abordé dans le 4. C'est. Je comprends pas comment ils font, hein, mais bon. Ils y sont parvenus quand même. Allez hop, on va se taper les deux autres notifs.
peux pas avoir un truc pour faire tout d'un coup, franchement. Option enchère. Ah, voilà, j'étais médisant. Je l'avais jamais vu. Il y a un raccourci ici. Bon, bah, pour une fois, ça évite de charger une page supplémentaire. Autant pour moi. T'allais dire, je me suis fait chier pendant tellement d'années, bordel, alors que c'était marqué en bas. Bah bon, c'est pas non plus super friendly hein, quand même, mais bon. Peut pas tout faire d'un coup, mais voilà, ça évite d'avoir une page en plus. C'est déjà ça. Allez. Alors, si quelqu'un veut m'offrir une One X, hein, bon, je demande, vous voyez, je demande même pas une série X, hein, ça serait même mieux, mais bon, déjà rien qu'une One X. Ça permettrait d'aller un petit peu plus vite. Il faut dire que mes mères, malgré bon, le nettoyage au final, pas tant besoin parce que c'est de la poussière en surface, mais à l'intérieur de la console, il n'y a rien. Changer la pâte thermique et autres, mais bon, ça n'empêche pas que bah, les composants chauffent quand même plus que le raison. Donc là, elle a droit à deux ventilos de 120 sur la gueule supplémentaires pour aider à extraire l'air. C'est un peu mieux, mais bon. Elle est lente, elle en peut plus. Bon, moi, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'elle continue à pas faire de bruit. Ma première 360, c'était pas une arcade, c'était les Elite. Intuable, elle fonctionne toujours. Le seul truc, bah, le disque dur faisait des bruits bizarres. Donc bon. J'avais rachopé une Slim en occasion, qui est pas terrible, mais bon. Et puis surtout, bah, le ventilo, la cage était bouffée, donc c'est surtout lui qui faisait du bruit. Mais... Donc autant 360 et One, elles ont morflé, elles ont tourné des heures et des heures, que PS3, PS4, bon déjà PS3 j'en parle pas, celle d'Adobe. Bon la PS4 ça va, mais pour elle se met à faire son bruit de turbine, comme une vieille PS3 FAT, c'est bon quoi. Échec dans le temps. Ça sera toujours les Microsoft qui sont toujours en vie. La preuve, la One, la Xbox originale, j'avais chopé un occasion. J'ai juste changé le ventilo parce que, bah, pareil, le ventilo était secoué donc il faisait trop de bruit. Impeccable. Que les PS2 Fat et Slim, même s'ils étaient ça a été une galère, obligé de changer les lentilles et tout. En termes de confiance et de conception, c'est quand même pas la même. Bon alors. Eh, salut petite pelle. Alors, on vient écouter un vieux pendant qu'on dessine. T'as le sujet de dimanche déjà? Marc, oui, tu me diras, c'est dimanche, c'est pas loin. Donc, tu dois être dans quoi, la partie coloration, non? Comment ça? C'est inadmissible. Bon, t'as tout livré hier. Bon. T'as de la chance. Bon, au moins c'est bien, ça te permet d'avoir voilà, quelques jours effectivement pour souffler. Hein. C'est déjà pas mal. Nanana, on s'en fout, mes couilles en ski. Mille, 30 000, super les gars. Véhicule que j'ai déjà, bon, normal. Ouais, pantalon de treillis camouflage. Je suis hype. Argent, argent. Du Forza Hub. Et hop. Alors. Ah oui, c'est vrai, il faut aller à la maison. Bon, c'est. Bon, je vais épargner le côté achat de voiture, hein, parce que sinon on va encore passer 3 heures. C'est dans. Voilà.
Allez, on va aller en Grande-Bretagne. Oui, nouveau chargement. Pendant ce temps, à Veracruz, c'est un magnifique plantage de consoles. Ça, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, tiens, une application qui foire. Et bah, on est reparti pour se rattraper tous les chargements. Ouais, l'élastique sur les motus. Bah, moi encore, le mien, ça va, j'avais la chance. Les jambes étaient encore vivantes, si on peut dire ça comme ça. C'était vraiment le slip daté, donc. Fait un, mais j'avais bah comme il n'était pas complet, je l'avais pas fermé justement pour pouvoir avoir accès, bah pour pouvoir voilà le Ravi de vous démonter, voir, Chris. rectifier ou autre. Hop, on sort de la maison. Et donc forcément, en termes d'attache, j'y avais plus la tige centrale. Donc j'étais obligé effectivement. Au début, je m'étais avec un zigougui là les. Les qui sert bah, H-câble, des conneries comme ça là, ou même bah, pour les jouets par exemple. Et je m'en étais servi comme ça pour tenir les jambes, mais je l'avais accroché au ressort dans le corps. Ce qui fait que le ressort au final il était très tendu et il faisait plus son office bah, pour que le personnage de White Splash il puisse donner voilà un coup de bassin. Allez, on retente le chargement. Donc au final, j'ai une idée. Bon, au début, je voulais mettre une vis assez longue, mais bah, le problème de la vis, donc déjà, j'avais pas les bons diamètres et compagnie pour réussir à se fixer dans le reste du slip d'origine. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai pris ce que j'avais, une entretoise, enfin de carte mère de PC, la vis de carte mère qui va dessus. J'ai mis, bon, voilà, une petite protection parce que, bah, forcément, comme c'est pas vissé entièrement. J'utilisais quoi? C'est un tube voilà souple, enfin, comme une paille en gros, un truc comme ça dessus pour pas que ça, entre guillemets, que l'élastique il frotte et il se coupe, on va dire, dans le temps sur le pas de vis. Puis voilà. Et effectivement, maintenant il a les jambes droites, il tient debout, ce qui est quand même pas mal, parce que non plus c'est plus la queue qui le maintient. Et puis surtout, bah, j'ai retrouvé le ressort qui fonctionnait. Enfin, voilà, comme il est plus entravé. Je m'en rappelais plus du tout, parce que bah voilà, comme il avait les pattes cassées à l'époque, aussi longtemps, enfin aussi loin que je m'en rappelle, donc voilà, j'ai découvert que, bon, je savais qu'il avait ce fonctionnement-là, mais que le mien était encore vivant là-dessus. Et ouais, donc les cops, ton frangin en avait plein. Bon, c'est un truc, j'ai des vagues souvenirs du dessin animé, qui était, voilà, le peu que j'ai vu, bon, j'aimais bien, mais. C'est mais sans plus voilà, je sais que c'était pas super super mais bon, il y avait des véhicules classe même si voilà, franchement les jouets étaient pas terribles, surtout les véhicules c'était bon, il y en avait qui étaient jolis esthétiquement mais c'était pas foufou. Et bah j'ai toujours eu que le Air Speeder donc c'était un peu con, j'aimais la figurine mais bon. Mais après voilà en termes de taille effectivement bon c'est un peu plus grand que du G.I. Joe donc type par exemple moi c'était les chevaliers du Zodiac qui allaient dessus des choses comme ça parce qu'en termes de longueur de pattes ça passait à peu près. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Bon allez tiens, pour une fois ça fait tellement longtemps. Ah, perdu, c'est pas la bonne touche. On va faire les épreuves. Le Forza Fion, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que c'est moche, ce bordel? C'est grogné là, en niveau aspiration. Ah bon, on me donne la voiture, je suis pas contre, hein. Ah, tiens, il y a une nouvelle photo. Je m'amuse un peu avec, et puis surtout, après, je la revends. Une Alfa Romeo, une voiture italienne qui démarque quand il fait beau. Parce que quand il fait trop froid ou qu'il y a l'humidité, comme toutes les italiennes, il y a des emmerdes.
Où c'est vous, c'est moi que v'là. J'ai pas freiné, ça s'est vu. Faut se remettre à la conduite. J'ai toujours été bourrin, mais... par rapport à... à The Crew... c'est pas pareil. Donc dans The Crew, les voitures ont plus de différence dans la conduite. Encore plus, bah, selon les pièces qu'on va mettre. Forza reste plus agréable au final, mais c'est quand même bien sympa. Un petit truc ou deux là. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont faire avec Test Drive Limited 3 là. S'ils pouvaient se rapprocher du 1. Si beaucoup de personnes ont aimé le 2, moi, pour l'avoir pris dès la sortie, j'ai été très déçu. Je te dis après, petite pelle, étant donné que c'est sur le téléphone, et je l'ai mis un peu loin, j'ai du mal à lire. Non, je croyais avoir pas fait la photo, ça m'étonnait. Ah, oui, The, c'est ça. Avec un Z. The Crux. Je sais pas si t'as fait gaffe à la plaque, petite pelle de ma voiture. Tu regarderas au prochain chargement quand la caméra est derrière. J'avais depuis le Day One cette plaque-là, enfin quasiment. Je pense, si j'avais le matos, bon, ça serait pas terrible comme stream, comme ce que je fais, mais. Il y a quand même pas mal de jeux rétro que. Surtout des trucs, voilà, quoi. Vu qu'on stream. À part Monsieur Chou, voilà, quasiment tout le monde fait que du Nintendo ou de la PlayStation. La PlayStation 1 avec toujours les mêmes jeux. Du Mario, du Zelda, du Final, quelques RPG voilà, Nintendo-esque. Mais on voit toujours les mêmes trucs qui tournent. Oh putain, c'est ça. On n'a rien vu. Ça me permettra aussi de faire quelques streams, de quoi faire sauter, sauter les chaînes Twitch et YouTube comme avec du que s'appelle les Taiko no Tatsujin, que ce soit PS1, PS2, bon, la PS4, PSP aussi, si bah, ça sera en émulation puisque malheureusement j'ai la PSP Street, donc c'est-à-dire je peux pas faire de recopie d'écran. Même si, bah voilà, j'ai appris il y a peu qu'on pouvait la via, pas une app, je sais même plus comment ça s'appelle, un des plugins, voilà, faire que en branchant en USB, mais c'est lié, enfin ça fonctionne qu'un PC en fait. On peut pas récupérer directement, parce que moi ça, bah, ça serait pour la passer en OSSC, donc bref. Bah, y a aussi sur la PS Vita ou plutôt la PS TV. Ça aussi, il y a des jeux qui sont pas, qui n'étaient pas compatibles PSTV, vive le hack, hein. Franchement. Parce que j'ai toujours eu voilà, un peu de mal à bourriner ma PS Vita. Ça m'a toujours fait mal au cœur au niveau des touches des jeux de rythme. Que voilà, une manette de PS3 avec la PSTV, aux F. Bon voilà, il y a aussi du DDR. Je suis encore plus nul que tous les autres jeux. Qu'est-ce que je pourrais présenter aussi? Il y a du. J'ai même plus. Open Music. Oh la fois que j'avais juste essayé comme ça. Avec qualité dégueulasse webcam. Ah bah le bot YouTube. Ah, fait plaisir hein. Ouais, c'est les trucs de dessin animé. Ah bah les Saint Seiya, DBZ, même les vieux animés des années 70.
Ah putain, les réclamations, elles sont tombées, hein. Vache. Ça, là-dessus, c'est efficace, hein. Pour des trucs qui sont plus utilisés sur, sur certains vieux dessins animés, franchement. Même plus en... merde. Dans le commerce ou autre. C'est pas tout, mais je serais pas premier. Le boost, bordel! Mélanie trop! Toretto! Putain, qu'est-ce que tu fous? Maintenant, en parlant de Toretto. Ah là là, c'était déjà pas terrible depuis plusieurs Fast and Furious qui sont en fait que des expandables. Mais alors là, le dernier. Oh, quelle chiasse monumentale! Bon, ça a jamais volé bien haut, même au début, mais bon. C'était marrant et sympa à voir, mais. Oh là 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 là, les gars. De toute façon, je sais plus c'est dans lequel. Où ils m'ont perdu, c'est quand ils tractaient à travers la ville un grand coffre tiré là, par une voiture. À partir de là, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai fait « Ouais, d'accord, les gars, c'est bon, c'est fini. » De toute façon, ça fait bien longtemps, les Fast and Furious, c'est plus axé sur les voitures. Donc, c'est expandable, voilà. Tout est question de contact. Alors déjà pas comme ça. Allez, un petit harponnage. Loupé. Si je pouvais t'éjecter, toi déjà. Alors, on va pas dire c'est une conduite propre, hein. Peut-être falloir que je m'y mette, hein, plutôt que faire le con. Arrivé à un moment... Bon, elle a quand même du mal à tourner, hein. On sent que c'est un gros pavé, ce truc. Ah, c'est des tours, hein. Ok. Ah, vous le sentez qu'au bout du virage, ça va mal se passer ? Ah, j'ai pas pris assez d'élan. Clairement, je me suis retenu parce que j'aurais pas pu l'harponner. Non. La hésitation. Derrière, il est en train de se rattraper quand même. Elle a du mal à freiner, hein, comme toutes les bagnoles dans les Forza ces dernières années. Ah, depuis qu'il est à One, quoi, en gros. J'ai coupé, ça s'est vu. Non. Ça servit à rien, ça m'a fait ralentir, mais bon. Bon, va falloir recommencer l'épreuve, je le sens. Hein. Le virage qui est d'Orbon. Harpon! Je suis pas passé, mais ouais. Oh, et puis les autres, ils sont pas remontés. Parce que ça aurait permis de faire un petit bouchon quand même. Ah, j'essaye de le coincer suffisamment pour qu'il arrive dessus et le gêne. Ah, dommage. On va recommencer, hein. Voilà. Nickel. Non. Allez, fais-toi doubler, bordel. Dommage. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir le niveau des points, ce que ça va donner.
Alors je sais qu'en conduisant normalement, ça serait mieux, mais bon. Eh bah, bonne méthode! Oh, et calmos les gars. Chargé! Sympa le tableau de bord. Dommage que y a trois jauges qui soient à la fosse. Attends, et puis Jer, ne regarde pas la route. Alors, vu ma façon de conduire, ça change pas grand-chose. Tout ce qu'il faut, une muscle sur un endroit boueux. Déjà que ça glisse pas assez de nature. Si en plus il m'avait filé une Viper, je crois que ça aurait été le pompon. Bon, ça se voit que je me balade de gauche à droite sur la route façon Verali. Enfin, quoique Verali, voilà, c'est taper les quatre coins de la piste, mais bon. Ah, je vais être obligé de relancer la première course, c'est dingue ça, bordel! Dommage. J'ai pas harponné comme je voulais, mais bon. C'est passé quand même, tant pis. Et je me bats avec les sticks fatigués. On n'a rien vu. Hein. Je crois que c'est ce qu'on appelle un virage appuyé. Bientôt le jeu il va me dire conduite propre. Ah putain. Elle se balade, c'est horrible. Bon bah va falloir refaire du pouce-pouce hein. Allez, on se concentre. Armageddon! Allez, ragote! J'ai poussé au cul, moi. Il me semble qu'il y avait une photo à faire derrière. Serrez les fesses, j'arrive!
Ah, je me suis pas assez appuyé. J'aurais dû garder les gaz. Mais bon, ça passe quand même. Lui repasse comme tout à l'heure. Ça compte? Ça compte. Les vaches, qu'est-ce qu'elles patinent? J'ai trop cherché à le ralentir malheureusement. Ah, il va pas se faire rattraper. Si, il va se faire doubler, non, non. Ah, il fait chier. Bon. Grappiller 2-3 points. Bon, maintenant faut gagner. Alors, je ne triche pas, j'utilise une feature du jeu. Toutes les possibilités qui s'offrent à moi sont bonnes. Surtout quand on est mauvais. Oh, ça sent le mini-circuit dans la boue. Zuber! Franchement, t'arrives deuxième, troisième, t'as droit à 25 et 15 000. Super aussi! Vivement le 5, même si effectivement les environnements, bah, au final, ça me donnait pas trop envie quand ils ont annoncé que c'était le Mexique. Et ouais, les environnements ont l'air assez variés quand même, sympa. Mais bon. On verra ce que ça donne. Si déjà le multi est, ils vont l'avoir amélioré, en sachant que le jeu, je le fais à 98% en solo, mais bon, les rares fois je fais du coop. Si on pouvait éviter de se perdre à chaque fois ou que le tracé voilà, il apparaisse pas, si on pouvait régler ça, ça serait déjà pas mal. J'ai l'arrière qui a voulu dépasser la tête. Oh. Ah oui, il y avait bien quelque chose à côté. On sait déjà que comme d'habitude on aura droit à 2 DLC. Ce qui est dommage c'est que sur le 4 ils se sont loupés avec le Lego. Il était au final, bon il y avait plein de défis qui... bon, certains étaient un peu plus chauds quand même. Mais ça se faisait quand même assez bien. Je me
suis bien amusé. La seule chose, c'est que bah, il n'y avait pas assez de bagnoles. On proposait 3. Puis avoir une quatrième. Je sais même plus s'il n'y a même pas une cinquième au final. Il y a. Ça peine. Un DLC Lego, t'as, bah, tu t'attends à avoir quand même pas mal de voitures Lego, quoi. Surtout, au moins avoir des. Celle-là, je m'en doutais déjà tout à l'heure, mais bah, là, j'ai réussi. Hein. Mais ouais. Bon, d'accord, bon, tu peux mélanger, mais il n'y a même pas droit à des épreuves dédiées que véhicules Lego et puis variées, quoi, franchement. Ça, c'est vraiment ça qu'ils ont loupé sur le truc Lego. Oh là, la muscle, bordel! Ah, je vais être bon pour recommencer. Oh! J'ai sué, hein. N'utilisant pas un langage châtié sur internet, notamment en stream, pour les plus jeunes. Tombe pas! Oh la vache. Je ne l'aurais pas. Puis au fait, il est au classement. Je sais même pas qu'on voit, non. On peut pas voir son classement, quoi. Hein. Enfin, je croyais. On recommencera. Mais ouais, le Lego, ils auraient vraiment axé Lego. Pas que décor, mais voiture, parce que c'est quand même le but, hein, c'est un jeu de bagnole. Ça aurait été quand même nettement mieux. Ça n'empêche pas, je me suis quand même bien amusé à le faire. Et généralement, voilà, les DLC Forza, il n'y a pas grand chose à redire. Voilà. Allez! Mis à part les. Que s'appelle? Après ça c'est moi c'est pas mon style de conduite, c'est les versions rallye mais bon. Bon bah va falloir recommencer hein. Encore. Tu m'étonnes que l'autre il met des points dans la vue. Plutôt qu'à Horizon, j'aurais quand même bien aimé avoir un motorsport. Avec les petits détails quand même de régler en termes d'affichage ou même de contenu, c'est Horizon. Attendez, ma voiture elle est pas amphibie, hein. Bien chambreur. Lac de merde. Y a rien à faire, ce virage je le prends toujours en travers et je perds quand même pas mal de temps. Si en plus d'être mauvais, la route et la voiture font mettre pas, ça va pas m'aider. Hein. Ah, mais poussez-vous, qu'on de mime! Je m'en doutais, j'arrivais trop vite. Par contre, ce qui est à noter, que l'IA, elle,
Elle se plante pas. Il peut avoir des accidents, mais c'est quand même rare. Et pas les planter de bâton comme je fais, quoi. Après, forcément, en prenant l'intérieur, que la voiture dérape, c'est pas étonnant. Et le premier qui s'envole, mais alors... Ouais, bon, ok, j'ai compris. Hop, hop, ça va être compliqué. Qu'il y a un morceau qui s'est détaché. Hey, l'IA, il a piqué du nez, mais pas assez. C'est pas juste. Alors vous remarquerez que je me suis retenu de piter, hein. Comme dans Felify, j'ai pas fait de 10-37. J'ai cru que j'allais encore faire un 10-30, mais bon. Je crois qu'il est à côté de moi. No comment. Et pourtant, j'ai Destruction Rally, hein. Destruction Rally, Destruction Derby, voilà, faut que j'arrête, moi. C'est l'épreuve de rally. Et putain, encore. Destruction Derby, j'y ai très peu joué, juste à la démo, chez un voisin. Et ouais, ouais. Je crois que j'aurais été bon. Ou alors c'est peut-être les épreuves il n'y a pas longtemps dans Crew 2 et justement Destruction. En fait ils sont toujours derrière, hein. Et les autres IA, ils ont pas rattrapé. Easy pilotage super propre, franchement, à rien à dire. Sinon, si vous êtes tous des mauvaises langues.
Super, j'ai déverrouillé la danse des canards. C'est la danse plutôt des inco machin. Mais bon, bref. Ah, ça me fait penser. Ah, si, on doit toujours l'avoir à la maison, le 45 tours. C'est lequel celui-là? Non. Non, bah je l'ai pas. Bon, on va se TP. Ça, je me rappelle pas de celui-là. Je sais plus comment il est placé. Parce que un vers la forêt, ouais. Vert dans. Bon, déjà, on va prendre quelque chose qui est un peu moins lourd du cul, hein? Qui accélère. Puff, puff, puff. Tuture. Mes tutures. Classe. Alors. Elle, non. Ça, c'est la vitesse, mais elle est sur terre. Il me semble que l'une des deux est pas mal, mais bon. Ma voiture habituelle. Bon, je préfère la Centenario qui est en noir avec le petit liseré là, jaune un peu orangé qui est magnifique. Mais celle-ci, elle passe mieux sur la terre. Bon, bah on va essayer. Hein. Un premier jet. Putain, je me rappelle pas de celui-là. Totalement zappé. Je suis à l'envers. Pas encore au petit, mais bon. Ah, faut que je plante. Ouais, ok. Aïe. Au dernier moment, enfin, faut que j'arrive à le couper de la gauche vers la droite pour essayer d'atterrir sur la route. Comme c'est en contrebas. Ah, mais mets-moi dans le bon sens, bordel! Je crois que je me suis trompé un peu. Ah, il y a des voitures à prendre. Il n'y avait pas deux? Ah, non. Bon, tant pis, on va essayer de faire deux photos, voir si ça la prend. On développe cette galerie promo pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre au festival. Pour l'instant, on n'utilise que tes photos. Tu fais du super taf.
aller vers l'infini et dans l'au-delà. Oula. Je pense que le sapin était pas loin. Ah ouais, 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 ouais. Non, 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 non. Ah bah, forcément. Oh, j'ai réussi à faire moins bien, dis donc. Bon, tant pis, ça restera comme ça. Ah, merde! Ah! Ça va bien. Pour ce que c'est faire. C'est pas moi! C'est moi qui ai fait ça? Oh bah j'aurais de la voir même si j'ai pas la bonne voiture. Hop, 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 hop. Reviens, reviens, reviens. Capri, c'est fini. Ah non, c'est Cupide. J'ai lu trop vite. Je sais même pas où il est le parc d'attraction. J'ai plus la carte en tête. Hein. Bon, je l'avais déjà pas à l'époque quand j'y jouais, mais bon, ça faut pas le dire. Allez, on va tenter de se le faire. Au pire, je prendrai l'autre. Wow, 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 qu'un bijou. Ah merde. Je vais regarder le téléphone. Faut pas regarder son téléphone pendant qu'on conduit, bordel. Ah, je m'en doutais. En intérieur. Oui, je sais, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Ah, putain de... Escrognini. Que je coupe plus tard. Et que j'y aille franco en fait. Ah. C'est pas terrible, mais. J'ai pas. Ah! Bon, on va se faire dans ce sens-là alors. Ah bah oui, forcément, oui, c'est déjà plus. Plus jouable. On va prendre l'autre. C'est plus la meilleure voiture. En plus, même quand elle était au top, c'était pas la meilleure livrée non plus. Mais bon. Ça permet quand même d'aller assez vite.
Hey, c'est toujours pris, hein. Une bagnole, hein. C'est toujours ça. On voit que c'est pensé par Microsoft, hein. Ah, je l'ai encore touché. Les confirmations de confirmation pour confirmer que tu as confirmé. Ah! Putain, je vais. Pas le passer. Non, tu passes pas, photo. Veneno, quand même bien spécial en forme, mais au final, c'est pas mal. Bon, je préfère toujours Diablo, la Kuntak et puis la Morsée, mais bon. Ah ouais, ok. Il a mis quand même une sacrée misère. Alors, qu'est-ce qu'on gagne qu'on a déjà? Super. Putain, j'ai l'impression de me revoir dans le 3, où j'avais que des 5 et 10 000, et des 10 000. Et moi des voitures que j'ai pas, bordel! Je m'en fous de la thune! Suis même prêt à choper les vêtements si. C'est pour dire! Bon, bah on va s'arrêter là, on va juste faire cette foutue photo. Le parc d'attractions. C'est où cette chose? Non, ça c'est la plage. C'est pas le truc du festival au centre, là, parc d'attractions? J'ai dû passer 4 fois devant. L'impression à jouer à Où est Charlie? Ah, il est là. Ah, c'est ça leur part d'attraction? Bah, c'est la Syrie, ça, non? Aventure Park. Bon, oh, c'est quand même pas mal. Bref, aïe. À force de raconter n'importe quoi, il est peut-être temps de couper. Et j'ai pas tapé. Allez, peluche et bye bye.